Je m'appelle Thomas. Nasruddin. Je m'appelle Armance. Amel. Sofiane. Ava. J'ai 28 ans. 48 ans. 22 ans. J'ai 20 ans. 58 ans. 30 ans. J'habite dans le 20e arrondissement, dans le quartier de Saint-Blaise. J'habite à Belleville. Paris 19e. Boulevard d'Avoux, côté des portes. J'habite à Saint-Blaise. Dans le quartier de la rue Pelleport. Je participe à ce projet parce que c'est une activité qui me parle. On fait de l'impro avec le LABEC depuis plusieurs années et Johan est venu nous demander si on voulait participer à un projet assez incroyable, c'est-à-dire monter un groupe de théâtre en collaboration avec le Théâtre de la Colline. Parce que j'ai découvert le théâtre il y a peu de temps et j'ai kiffé. Ça fait 3 ans maintenant que j'en fais. Parce que j'aime le théâtre, parce que j'ai envie de jouer et parce que je cherche des projets où jouer dans cette période délicate. C'est un projet qui est innovant. Dans le quartier, on n'a vraiment pas l'habitude déjà en tant que femme. C'est une grande opportunité et je l'ai saisie. C'est par curiosité et maintenant que j'y suis, ça me plaît. L'un des meilleurs souvenirs que j'ai, qui est assez incroyable, c'est avec Alexandre Thévenin, qui est fauconnier, qui nous a ramené un hibou grand-duc pendant un workshop. Et je crois que la bête, elle faisait 3 mètres d'envergure. J'en ai pas un précisément, parce qu'il y en a plein. Je pense que tous les jours est un souvenir pour moi. C'est quand il y a eu des histoires qui ont été racontées, qui sont sorties vraiment des tripes des femmes qui étaient là. C'est le moment où on s'est retrouvés après les visios et où c'était très agréable de voir tout le monde en vrai. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est celui où on a pu travailler en étant réellement en osmose tous ensemble et qu'on a obtenu un très très bon travail. En fait, tous les ateliers qu'on a fait, franchement, ils étaient ouf. Sans culture, il n'y a pas de vie, quoi. L'association, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un rêve qui est devenu une réalité, en fait. À aucun moment, psychologiquement, j'ai senti le confinement. Ça prend une place majeure. C'est vraiment ma vie. Pouvoir jouer, oublier, se sentir bien, se lâcher. Le théâtre et l'association, ça nous a vraiment permis de vivre autre chose que ce qu'on aurait pu vivre et tomber dans le désespoir peut-être. Merci encore au théâtre et l'association aussi. Je sais pas vraiment d'idée pour cette question-là. J'ai dit cinéma ?